J'espère que vous allez bien. Nous revoici pour un nouveau daily, le dernier avant. Pour vous, vous l'aurez mercredi, moi je filmerai mardi, normalement, à moins que je décide de faire lundi, mais ça m'étonnerait. Enfin, je verrai. Je verrai, je verrai. Dans tous les cas, dernier daily du week-end, puisque celui-là vous l'aurez samedi, donc demain, pour moi, et pour vous. Pour vous, c'est maintenant en fait. Voilà. Voilà. Et là, je suis juste fatiguée. Il est 5h du matin. Je suis réveillée depuis 4h30 parce que je prends le train plus tôt encore que d'habitude. Voilà. Parce que je commençais à 8h30 les autres fois que je faisais mon remplacement en crèche. Là, je commence à 8h. Je finis à 16h. Du coup, je finis plus tôt. Hein. Mais j'ai qu'une envie, c'est pioncer en fait. Et là, je sens en fait, j'ai mes allergies qui reviennent, donc allergie pollen, acariens. Pourtant, je prends les médicaments hein, pour les allergies, mais en fait, je pense avec hier, l'appart, il est tellement, enfin, il y a tellement du boulot à faire en ménage et tout, il y a tellement de poussière et tout, qu'à mon avis, c'est ça. Là, j'ai le nez pris, j'ai les yeux, n'en parlons pas. Donc, je vais faire ce qu'il faut. Voilà, je vais mettre des gouttes dans les yeux, je vais me faire un bon petit lavage de nez, tout ça, ça va faire du bien. Parce que là. Là, ça va plus quoi. Là, ça va plus. Mais ouais, je pense que c'est à cause d'hier, du coup. Voilà. Mais il faut bien faire le ménage. Voilà. Et ça fera du bien à l'appart. Et moi, je serai mieux quand je serai dedans. Voilà. Je n'aurai pas tous ces petits soucis. Parce qu'en plus, enfin, je sais pas si ça se voit, mais genre, j'ai les yeux un peu rouges. Bon, du manque de sommeil, hein, mais pas que. Enfin, c'est tout. C'est comme ça. Voilà, je verrai. Je verrai bien. Je verrai bien si ça passe ou pas au fil de la journée avec les médicaments. Voilà, parce que du coup, en fait, là, je prends qu'un seul médicament parce que normalement ça me suffit. Mais c'est que sinon, j'ai une roulette pour la toux. Sauf que là, c'est pareil, j'ai toussé cette nuit. J'ai aussi des gouttes pour les yeux que je mets pas parce que le médicament normalement me suffit amplement. Mais là, je pense que hier j'ai eu une bonne grosse dose de poussière qui m'est bien arrivée dessus. Et voilà, du coup, les acariens, moi je vous dis pas. Et puis l'appart là ici, c'est pareil, le ménage n'a pas encore été fait vraiment. Parce que voilà, il fallait nettoyer l'autre appart et tout. Puis là, ma mère, elle bosse. Donc du coup, voilà. C'est un peu problématique pour moi. Mais bon, écoutez, on fait avec, voilà. Là, je vais aller déjeuner. Donc ce matin, je n'avais plus. Allez, ce matin, plus une banane, plus un flocon d'avoine. Je sais, mais je déjeune quoi, moi, en fait, là? Mais heureusement, j'avais du yaourt de soja à la vanille. Donc ça, avec des cerises, des noix de pécan et un petit peu de. Enfin, un carré de chocolat noir. Et bien sûr, mon matcha qui est là. Mais c'est pareil, le matcha, j'ai plus assez de lait de noisette. Regardez-moi ça qui reste. Voilà. Ça va être trop bon. Mais je sais pas si ça va me suffire jusqu'à ce que j'aille manger à midi. Bref, je verrai bien. Oh, je pense que je vais manger un abricot avec après ce soir. Après. Enfin, ce soir, n'importe quoi. Et là, après. Oui, je pense que je vais faire ça. Enfin, bref. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse pour le moment. Et je vous dis à toutes. Voilà. À toutes une fois que je serai prête, je pense. Hola, j'espère que vous allez bien, toujours. J'ai l'impression que ça fait la première fois que je vous filme aujourd'hui, alors que non, pas du tout. C'est pour ça que je vous redemande si tout va bien. Hein. Alors pour vous, ça fait quoi, les 3 minutes? Bon, enfin bref, écoutez, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous allez bien, dites-moi tout. Alors, donc du coup, j'ai pris ce qu'il faut hein, pour soigner mon allergie, voilà. Donc, comme par exemple du Doliprane, voilà, parce que j'ai hyper mal à la tête, du coup, c'est génial, je tousse, bon, ça, j'ai pris mon petit truc exprès pour ça, et j'ai pris aussi mes gouttes pour les yeux, hein, parce que, bon, voilà, et les gouttes pour les yeux, une goutte, et ça y est, je sens que ça va déjà mieux, mais du coup, il faut que j'en mette 2 fois par jour, donc voilà, j'en mettrai ce soir, ça c'est bien, parce que j'ai pas le trimballer avec moi à la crèche, ça c'est chouette, mais voilà. C'est génial ces petites allergies comme ça qui surviennent. Bon, en même temps, ça m'étonne pas hein, parce que vu comment l'appart.
est vraiment encombré de poussière et tout, parce que ça fait quand même un an qu'il a jamais, enfin, qu'il a pas été servi, qu'il a pas été utilisé plutôt. Voilà. Ça fait un an qu'il a pas servi tout ça, parce qu'en fait, à la base, le propriétaire, il voulait en faire son bureau. Sauf qu'au final, au bout d'un an, il s'est rendu compte que il s'en est jamais servi. Et du coup, bah, c'est pas trop rentable pour lui, hein. Du coup, bah, il a décidé de le relouer. Et donc, il est en ligne sur le bon coin depuis un mois seulement. Et bah, je suis tombée dessus. Voilà toute l'histoire. Mais du coup, voilà. Hier, j'ai commencé le nettoyage. Mais heureusement, parce que je vous raconte pas. Je ne vous raconte pas. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais bon, ça ira mieux quand j'aurai fait le nettoyage complet de tout ça. Et puis, puis voilà. Bon, sinon, et ben là, je suis en route pour aller à la gare. Parce que, en plus, enfin, je suis partie plus tôt que prévu parce que je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, on était le 1er juillet. Et le 1er juillet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que. Enfin, le premier de chaque mois. Il faut que je reprenne mon abonnement de train. Voilà. Bon, là, normalement, c'est mon dernier abonnement de train que je prends. Voilà, le dernier abonnement, parce qu'après, ce sera au jour le jour, vu que ce sera que le samedi. Donc voilà, mais là, c'est mon dernier abonnement de train que je prends. Parce que normalement, après, c'est bon, hein, je reste chez moi et voilà. Enfin, je dis ça, mais normalement, hein, parce que bon, on ne sait jamais, vu que j'ai toujours pas de frigo et. Enfin voilà, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais, mais oui, voilà. Donc je suis trop contente, vraiment. Mais enfin, faut que je parte en avance quoi, pour aller la voir, hein. Enfin pour prendre l'abonnement, parce que bon, si je pars trop tard, je vais arriver il y a pile poil quand le train il va arriver, enfin quand il sera bientôt prêt à partir et je pourrais pas le prendre. Donc voilà, je suis partie tôt. Du coup, en même temps, hein, je me suis levée tôt, je pars tôt. Je reste dans le thème. Voilà. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est une grande, grande journée. Grosse, grosse journée. Je travaille de 8h à 16h. Avec une heure de pause à un moment ou à un autre durant ce laps de temps. Voilà. Et le ce soir, je garde le petit pour la dernière fois. Voilà. Pour la dernière fois, je vais garder le petit. Ça fait 3 ans que je le garde, ça va être quelque chose de lui dire au revoir et tout. Enfin, les au revoir vont être émouvants, je pense, même si je sais qu'on va rester en contact et tout, mais ce sera pas pareil, quoi. Voilà, ce ne sera plus pareil, mais bon, voilà. Ça va aller, tout va bien se passer, et voilà, j'ai profité de tous ces bons moments que j'ai passés avec lui, et voilà. Voilà. Comme ça m'ouvre de nouvelles portes pour une nouvelle grande aventure qui, je l'espère, va continuer un petit moment, hein? Voilà. Bon, bah voilà. Moi, là, je vais vous laisser, du coup. Je pense que ça va être un petit vlog, sauf si je continue de loter comme ça pendant 5 minutes à chaque fois. Mais ça serait, je pense, un petit vlog, parce que comme je travaille, tout ça, bah, je pourrais pas vous prendre... Enfin, je pourrais pas vous prendre, hein, normal. Donc voilà. Je pense un petit vlog. Mais bon, ça change un petit peu parce que je suis quand même beaucoup de longs vlogs. Donc c'est vrai que des petits, ça peut être pas mal de temps en temps. Hein? Je pense que nous sommes tous d'accord avec ça. Mais j'ai du mal à faire court. J'ai du mal. Enfin bref. Mais écoutez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, il est 22h actuellement. Comme vous pouvez le constater, 22h, je suis toujours pas couchée. Alors que demain, je prends le train de 6h30. Hein. Que du coup, je me lève à 4h cette nuit. Voilà. Mais en fait, j'ai vraiment très envie de faire le montage de ce vlog, de ce daily vlog. Comme ça, vous l'avez. Comme ça, vous l'aurez en fait demain. Voilà, donc samedi.
Ouais. Enfin bref. Du coup, je vais vous faire un petit récap de la journée, parce que du coup, j'ai très très peu filmé, parce que bah aujourd'hui, en fait, j'étais très très à la bourre toute la journée, limite. Et du coup, j'ai très très peu filmé, et puis j'ai travaillé, et enfin voilà, vous connaissez un petit peu, voilà. Donc ça va être un petit daily vlog, je pense. Quoique, comme je blablate pas mal, peut-être qu'il va être très, peut-être un tout petit peu long. Enfin bref, on verra bien, écoutez. J'aurais bien que je montrerai ce petit vlog. Mais du coup, aujourd'hui, donc j'ai travaillé de 8h à 16h à la crèche. Oh là, tout s'est très bien passé, tout ça. C'est juste un peu compliqué au niveau de mes allergies, quoi, mais bon, ça va avec les... Avec tout ce que je mets en œuvre pour éradiquer cette allergie, enfin pour diminuer et que ça s'arrête, eh ben ça va quand même mieux. Voilà. Bon, c'est pas encore ça, mais c'est en bonne voie. Voilà. Donc déjà, c'est déjà bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, au final, je n'ai pas de jour de repos entre la fin de mon contrat avec le petit que je garde depuis 3 ans. Et mon nouveau contrat, puisque je fais un remplacement justement à la crèche. Voilà. Donc du coup, parce que je fais un remplacement jusque mercredi et jeudi, j'embauche. Donc voilà. Tout simplement. Et du coup, aujourd'hui, c'était le dernier jour que je gardais le petit. Ça fait 3 ans que je le garde. C'est mon premier emploi. Mais vraiment, en vrai, c'est mon premier emploi stable. Voilà, parce que j'ai fait deux, trois autres emplois, mais c'était des emplois genre d'une journée, d'une soirée, enfin, des tout petits trucs, et j'en ai pas eu beaucoup. Mais là, vraiment, un vrai emploi où il faut que j'y aille régulièrement, tout ça. Enfin, bon, pas tous les jours, parce que bon, voilà, je faisais peu d'heures avec lui. Mais durant ces peu d'heures, donc ces 8 heures à la semaine, en 3 ans, on a réussi à créer une relation. C'est quelque chose, et du coup là les au revoir c'était un peu compliqué, voilà, c'était un peu compliqué les au revoir là ce soir, mais bon après je sais qu'on va se revoir et tout ça, et voilà, et je sais très bien que ça va bien aller, hein. Je sais très bien que celle qui va me remplacer sera très bien, puisque enfin, le petit elle l'a déjà eu, ma remplaçante, pendant que j'étais en Savoie, donc voilà, c'est la même, donc il est content de la retrouver malgré tout, mais bon, hein. J'ai quand même eu le droit, hein. Tu vas me manquer, Justine, ce soir, donc voilà. Voilà. Ah là là. 3 ans que je le garde. 3 ans. 3 ans, je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu dans tous ses états, entre rire, tristesse, colère, peur, enfin. J'ai vu vraiment 8 heures par semaine, malgré tout, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup. Surtout dans la vie d'un enfant, en fait. C'est aussi beaucoup au final. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se rend pas vraiment compte. Mais enfin, quand on voit avec le recul tout ça, on se dit que vraiment. Déjà, rien que voir un enfant 8 heures par semaine, eh ben, on peut le voir évoluer énormément. Énormément en 3 ans. C'est fou. Moi, je trouve ça dingue. Voilà, je trouve ça dingue et. Et voilà, ce soir on a fait une petite photo souvenir, voilà, qui est assez drôle d'ailleurs, enfin, j'adore, je vais l'imprimer cette photo, allez, enfin, voilà. Et voilà, donc, bah, tout s'est très bien passé, hein, aujourd'hui, voilà, mais c'est juste que, voilà, trop 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 d'émotions, là, ce soir. Oh, ouais. Enfin bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est une page qui se tourne pour en créer une nouvelle grande aventure et qui, j'espère, va durer un certain temps. Et puis voilà, et puis voilà, grande aventure qui commence. Ça y est, c'est en marche, hein, mais voilà. Oh. Donc voilà, sinon c'était une super journée. Et voilà, tout s'est très bien passé. Je dis beaucoup voilà, mais bon, enfin, vous me connaissez maintenant, je dis très souvent ce mot-là. J'arrive pas à m'en empêcher. Bref, du coup, bah, je pense que je vais vous laisser pour ce soir. Parce que du coup, là, sur samedi et dimanche, enfin, je ne vloguerai pas pour un daily vlog. Je ferai un gros vlog concert comme vous avez eu jusqu'à aujourd'hui. Sauf que là, je sais pas comment je vais m'organiser pour faire le vlog concert parce que enfin, je vais sûrement filmer. Les deux concerts. Enfin, je vais voir. Je vais réfléchir un peu à tout ça et voilà, je vais réfléchir un peu à voir
comment je fais ce week-end pour filmer ça et essayer de faire un vlog pas trop long. Parce que déjà, un vlog concert me dure, enfin, dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Donc, clairement, là, 2 concerts d'affilée à filmer et à monter. Du coup, parce que c'est le même endroit, donc je vais filmer tout dans une seule vidéo. Donc, du coup, j'ai pas envie que ça dure 3 heures, 3, 4 heures, hein, on va éviter. Donc, je pense filmer un petit peu des deux, en fait. Voilà, enfin, je vois. Je vais voir, je vais réfléchir et voilà, je vais voir à tout ça. Enfin, voilà. Dans tous les cas, ce vlog-là, vous l'avez demain, normalement. Enfin, si j'ai réussi à faire le montage, hein. Voilà, vous saurez. Demain, à cette heure-là, vous aurez la réponse de si j'ai réussi à monter le vlog et à le mettre en ligne. Voilà, à voir. Donc voilà, bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et je vous retrouve pour un daily vlog lundi. Quoique lundi, je sais pas si je vais faire un daily vlog lundi. Bref, en tous les cas, voilà, je vous dis à lundi ou mardi pour un nouveau daily vlog. Voilà. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.